Good morning, l'Iden est juste aujourd'hui le Nishmat François Vajven Chana, Janine Ruth Bedford de Moselle Fritna, Claude Shlomo Ben Shalom, Inshaya Ben Linda. Si vous souhaitez vous citer d'une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étudions la Sechet Péa, Perikret, Mishnah Aleph. Mais matai kol adam mutarin beleket, Mishé Yelechou hanemushot, Beferet veolelot, Mishé Yelechou haniim bakerem veyavou, ou bazetim, Mishé Tered revia shnia. On va aborder maintenant dans ce nouveau chapitre un nouveau sujet. Mais matai kol adam mutarin baleket. Depuis quand tous les hommes deviennent permis de prendre le leket? Soit j'ai différents dons qu'il faut que je laisse pour les pauvres. Comme on a vu tout au long de la Mishnah, il y a la Péa, Leket, Shechecha, Péa, Leket, Shechecha, Peret, Olelot. Et je dois tout ça, c'est des dons que je dois laisser pour les pauvres. Il se passe que maintenant, j'ai laissé ce qu'il fallait pour les pauvres. Je suis parti. Je reviens le soir, je vois que les pauvres ne sont toujours pas rentrés chez moi. Le lendemain, les pauvres ne sont toujours pas rentrés chez moi. À partir de quand j'ai le droit de rentrer moi et de dire, ça y est, les pauvres, ils ne sont pas venus. Apparemment, ils ne vont pas venir, ils sont fâchés avec moi, ils ont laissé des fruits ailleurs, je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, c'est cravale. On ne va pas les laisser, ces fruits, pourrir sans intérêt. Si les pauvres, ils ne les veulent pas, je vais le prendre moi pour moi. Donc, depuis, à partir de quel moment, n'importe quel homme a le droit d'entrer dans le champ pour prendre le leket. Alors là, on va s'intéresser pour le moment sur le leket. Il y a chacun, il va avoir sa mesure différente. Le leket. Donc c'est lorsque tu as accueilli sur l'arbre et que tu as laissé, c'est comme le péret pour la vigne, lorsque tu as laissé des fruits sur l'arbre et tu es parti. Excusez-moi, dans la quête, c'est celui qui te tombe des mains. C'est lorsque tu cueilles, tu en laisses par terre. Tu en fais tomber par terre. C'est le moment des vendanges ou c'est le moment de la moisson. Tu as accueilli ton blé, il y en a qui était tombé, tu l'as laissé par terre parce que tu es obligé de le laisser. Et tu es parti. Et les pauvres ne viennent toujours pas les chercher. À partir de quand tu as le droit de venir les chercher? Alors, les moshot, c'est un mot compliqué à traduire, mais depuis que les lenteurs ou ceux qui marchent tout doucement ont déjà passé leur champ. Soit, lorsque je dois laisser les quêtes, chicha, péa, différents, toutes les dons que je sais pour les pauvres, il y a plusieurs types de pauvres qui vont se retrouver dans mon champ. Il y a d'abord les jeunes qui sont en pleine forme. On avait même vu comment faire un petit peu de céder entre eux. Et on a les jeunes qui sont en pleine forme. Et puis après, ils viennent, ils ramassent. Et ils ramassent, mais comme ils sont jeunes aussi, ils ne sont pas méticulés à prendre. Il y en a plein à prendre, donc ils prennent tout ce qui est facilement à vue d'œil, ils le ramassent, et ils partent avec, et ils sont contents. Mais une fois qu'ils ont fini de passer, il y a les Sabé des Azlei Atigra. Comme il rapporte le Barthénora, c'est un des deux Pirushim de la Gemara. Et les vieux qui marchent avec leur canne, aussi les pauvres, ils n'ont pas d'argent, et ils viennent ramasser les dons. Et eux, ils avancent tout doucement, et eux, ils sont patients, ils regardent bien ce qu'il y a par terre. Si tu as vu que ces gens-là, ils sont passés, c'est les détecteurs de fruits oubliés, eux. Si jamais, une fois qu'ils ont passé, il reste encore des fruits qui n'ont pas été ramassés, t'inquiète pas, tu peux maintenant le prendre pour toi, parce que c'est sûr qu'eux, une fois qu'ils sont passés, il n'y aura plus un seul pauvre qui s'intéressera à ce champ. Donc si les pauvres, ils sont pas intéressés, ça s'appelle ils ont fait un yéouch. Ils se sont désespérés de venir les chercher, de venir chercher ce qui reste. Comme une perte de quelqu'un qui perd un objet qui a été mitié chez le Félioche, il s'est désespéré de le retrouver. Ça te tente, tu as le droit maintenant de le ramasser. La même chose aussi pour les dons des pauvres, tu as le droit de les ramasser toi-même. D'accord? Donc c'est Michel El Juan et Mouchot. Ça c'est pour le Leket. Maintenant, Beperet et Olelot, en rapport avec la vigne. Peret et Olelot, ce qui te tombe des mains, et les Olelot. Olelot, c'est les tiges aussi que tu as laissées sur la vigne. Tu vois qu'elles ont. Alors, Michel Yelcho Anim, Bakerem Beyavou. Depuis que tu as vu que les pauvres, ils sont venus une fois, ils ont fait un premier aller, et après, ils ont fait un retour. Une fois qu'ils sont passés aller-retour, ce qu'ils ont oublié, c'est sûr qu'il n'y a plus aucun pauvre qui va s'intéresser à ce champ, t'as le retour ramassé. Ou Bazetim. Maintenant, lorsqu'il s'agit cette fois-ci d'olivier, alors c'est quoi la limite pour les oliviers? Michel Tered Revia Shinya, la Mishnah donne une halakha, je ne connais pas tellement le calendrier agricole. Pour les oliviers, comment ça marche. En tout cas, la Mishnah me dit, mais j'étais de Revia Shenia, depuis que la deuxième pluie va tomber. Vous savez, quand la pluie, elle arrive en Israël, en France, je ne sais pas si les Français savent vraiment ce que c'est, il pleut tout le temps. À n'importe quelle période de l'année, des fois, même s'ils ont en plein août, ça, il pleut seul. En Israël, c'est assez net, par exemple.
dans les pays méditerranéens, c'est clair, il y a l'hiver, l'été, il n'y a pas de pluie, et l'hiver, il y a de la pluie. Maintenant, l'hiver, quand c'est la pluie, alors ça commence toujours par un coup. Il y a une première Revi'a Rishona. En Israël, on a eu récemment. Il y a eu un jour de pluie, on l'a bien plu. Et puis après, de nouveau, pause pour quelques jours, jusqu'à la prochaine pluie qui va revenir, mais on ne fait jamais qu'à. Et il va y avoir une deuxième pluie. La deuxième pluie, elle s'appelle Revi'a Shnia, jusqu'à la fin, vous savez, on va rentrer directement en hiver, il va y avoir de la pluie assez fréquemment, au moins dans les zones montagneuses, avec Yerushalayim. Et voilà. D'accord? Donc, ça, c'est pour le. C'est la Revi'a Shnia, c'est la deuxième pluie. Alors, la Mishnah me dit pour les oliviers, depuis la deuxième pluie, tu as le droit de les ramasser. Micheterez Revi'a Shnia, depuis que la deuxième pluie va tomber. Amar Rabbi Yehuda, viens Rabbi Yehuda, il y a toi qui dit, je ne comprends pas ce que vous cette mesure. Alors, Yeshena Moskim et Zetem, elle a la Revi'a Shnia, je ne comprends même pas ce que vous racontez. Il y a Vehalo, mais arrêt de. Concrètement, Yeshena Moskim, il y a des gens qui ne vont faire la cueillette des olives, et Zetem. L'imsok et Azetim, c'est-à-dire cueillir les olives. Et là, la Revi'a Shnia, seulement après la deuxième pluie, qu'est-ce que tu me dis, tu me donnes pour, la, pour les oliviers de la deuxième pluie? Il y en a qui commencent à cueillir, à cueillir les oliviers, à faire la cueillette des olives, que après la deuxième pluie, tu me dis que c'est là, maintenant ça y est, on va laisser tout ce qui reste pour les. Tu auras le droit de, tout prendre pour toi. Pas du tout, il y a les pauvres aussi qui attendent cette période-là. Et là, qu'est-ce qu'il faut attendre dans ce cas-là? Et là, qui déchaye yotse, velo yehe, mevi barba isant. À partir de quand tu as le droit? Alors, Rabbi Yehuda te donne une autre mesure pour les oliviers. Il te dit, à partir de quand tu as le droit de tout prendre dans tout ce qui reste, à partir du moment où la quantité qui reste dans ton champ, elle va être une valeur inférieure à une monnaie de 4 issars. Je ne suis pas capable de vous dire concrètement combien ça fait, c'est-à-dire issar, ça fait l'équivalent. Un issar, c'est 8 proutotes, donc 4 issars, ça fait l'équivalent de 32 proutotes, mais je ne sais pas exactement ce que ça signifie, c'est... C'est à partir du moment où il n'y a même pas de quoi ramasser l'équivalent de 3-4 shekels dans ce champ, alors c'est sûr que les pauvres ils sont plus intéressés, ils sont mitiachim, ils ne vont plus venir. D'accord? La lacha n'est pas établie comme Rabbi Yehuda, mais je ne comprends pas tellement l'enjeu de cette Mishnah, il n'y a pas tellement de méfarchim, mais je n'ai pas grandi à la campagne pour savoir comment on se passe la cueillette des olives, désolé. Et voilà quoi, on a traduit la Mishnah, on a expliqué chaque avis, puis c'est tout pour lui, c'est une journée pleine de Hatzlacha, comme tout, c'est là.